Bonjour tout le monde, ici Mega851 et non, je ne suis pas accompagné de Lozon454 pour ce let's play parce que c'est un let's play en solo. Fait que je prends un let's play solo, plus tutoriel qu'autre chose pour les gens qui viennent de commencer à Minecraft. Mais vous pouvez quand même regarder si vous ne commencez pas. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer comment jouer et on va commencer là. Fait que c'est ça. Fait que, on va commencer. T'sais, Minecraft, là, vous arrivez ici, vous êtes comme, oh my god, quel monde étrange, là, t'sais, un soleil cube, c'est comme, what the fuck, mais tout est cube, t'sais, c'est comme, ah, ben, c'est pas super, t'sais, tout est cube, là. Mais les graphiques sont pas si laid que ça, là, quand même, c'est pas parce que c'est des cubes que c'est laid, là, t'sais, tout est cube, mais Minecraft, le but du jeu, c'est artisanat, t'sais, c'est comme Minecraft, c'est artisanat, fait que, dans le fond, tu pètes tout ce que tu veux, puis tu te fais qu'est-ce que tu veux, le but du jeu principal, c'est de faire un survivor, de survivre, en fait. Pour survivre, pour pas mourir, parce que je vous rappelle que la nuit, pour ceux qui savent pas, en Minecraft, quand que le soleil se couche, si on veut bien se couche, ben il y a des monstres qui sortent. Puis quand les monstres sortent, ben là, s'ils foutent tout le bordel, puis là, ben ils vont vous tuer. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que on va se faire un abri pour survivre aux monstres. Puis en même temps, je vais vous expliquer. Les choses principales de Minecraft là. Pour commencer on va se faire ça. Fait que là, pour voir comme c'est quand vous commencez, la première chose à faire c'est de péter du bois. Vous voulez péter avec vos mains? Oui, parce que vous n'avez pas encore d'outils. Les outils ça va se faire plus tard. Fait que c'est ça. Fait que là je pète un arbre. Juste pour vous dire que qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Le stack maximum dans Minecraft c'est 64. Fait que là vous cliquez sur la touche E de votre clavier. Comme ça, là, vous ouvrez votre inventory, votre inventaire. Là, ici, vous avez vos cubes. Ici, c'est votre place comme dans un sac à dos, même si vous n'avez pas de sac à dos. Ça, c'est votre personnage. Votre Mexicain, avec une molle. Ça, c'est votre place pour faire du crafting, pour faire les objets. Mais il y a juste 4. Fait que je vais vous montrer comment faire quelque chose pour en avoir 9 cases. Fait que c'est ça. Mais là, ici, comme vous voyez, je suis dans les 5 de ça. Mais le stack maximum pour en avoir, tu peux en avoir jusqu'à l'infini, c'est 64. Fait que c'est comme le chiffre fétiche si on veut dans Minecraft, c'est 64. Fait que c'est ça. Puis pour en avoir 64, parce que là, comme vous allez voir, j'ai pas des sapins. Là, comme vous allez voir, si je clique sur E, je fais saut de gauche sur le wood. Les deux sont pareils, c'est juste que ça, c'est de l'écorce de bouleau, puis ça, c'est du bois normal. Là je prends ça, je mets ça là, puis ça fait des wooden planks, juste pour vous dire que les deux sont pareils, je vais vous montrer, les deux sont pareils, ça vous fait des planches de bois. Là vous cliquez, ça revient en stack de 4, une bûche ça fait 4 wooden planks, là comme ça, comme ça, là, vous cliquez puis vous en avez 20, alors ça vous faites ça, fait que quand vous avez 16 bûches, ça vous fait 64, qui est le chiffre fétiche de Minecraft, 64 wooden planks, fait que ça c'est des sapins. Pour faites juste les replanter pour vous enlever l'arbre. C'est pas une magique, ça c'est un cochon. Meurs. Ça si vous tuez les cochons, ben ça va vous donner de la bouffe qui est peut-être d'abord. Mais là, elle a pas bougé. Meurs. Faut que je prenne des subscribers. Merci. Bon, ça c'est des côtés d'abord. Fait que. Ah oui, c'est un objet de planter. Bon. Là on va couper d'autres bois. C'est là j'en ai passé juste de 48. Ça. C'est sûr qu'au début ça risque d'être long là, ceux qui savent déjà comment jouer à Minecraft là, parce que là je vais expliquer vraiment tout là, la base. T'sais, on dit ouais mais on est pas comme ça là, on sait. Non mais tu sais, moi aussi j'étais pareil quand j'ai commencé à Minecraft. C'est comme au début là, ok, quand je jouais à Minecraft, j'étais ici, là j'arrive dans le monde, je suis comme ouais, t'sais, je sais c'est comme Minecraft, je jouais à Minecraft classique avant. Mais fail, tu joues à Minecraft classique, t'es sûr que tu donnes un coup de poing, pour ceux qui ont déjà joué là, un coup de poing ça pète. Là j'étais comme ça pète pas. Je suis comme là je clique plein de fois. Là je suis comme ça pète pas, ça pète pas. Je suis comme, c'est quoi faut faire? Là ça, là j'arrête de jouer parce que là je vois bien que je peux rien péter, même le blanc, je peux rien péter. Là mon cousin il s'en va sur l'ordi, il joue, il m'appelle, là je fais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et il fait, regarde, tu fais se garder le gars dessus. C'est magique. Fait que pour ceux-là qui auraient le même problème que moi, là, faut se garder le gars dessus, puis votre bloc se pète tout seul. Ça c'est pour tous les blocs, il y a aucun bloc que vous avez pété que vous avez cliqué plein de fois. Ah oui mais je me souviens, j'ai réussi à péter un bug de round. Parce que je vais pas le faire là, parce que là ça va être trop intense. Vraiment être extrême là. Je suis extrême. Mais je pense que ça on peut le péter quand même.
Là, je pense que ça va être bien carré ça. Alors, c'est de wood de même. Et voilà, 64, 8. Côté de d'abord. Je vais aller, là, vous voyez en bas, là, j'ai mon énergie, là, mes cœurs. Là, tantôt, quand j'ai sauté de trop haut, j'ai tombé. Ben, mon énergie a descendu de 1 demi-cœur. Fait que là, quand je fais souris, clic de droit. Comme ça. Et voilà, j'ai repris mon demi-cœur. Mais ça donne plus de vie, mais vu qu'il me manquait juste ça, ben, ça m'a juste donné ça. On peut pas juste prendre des crocs. On la mange au complet. On est des gros porcs. Bon. Là, va se monter en haut de ça pour voir, avoir une meilleure vie. Juste vous montrer, comment faire des échelles. Ah ben, c'est pas une vraie montagne. Faudrait m'installer sur une mo vraie montagne. Cool. Juste pour vous dire que, là, avec le bois, comme ça, là, je prends le bois. Là, je fais clic de droit, ça la met juste un. Comme ça. Là, comme vous avez vu, comme vous avez pu voir, juste deux, un en haut de l'autre. Je vais faire. Ça me fait des sticks. Qui est des bâtons de bois. Pour ceux qui parlent pas anglais pantoute. Là. Je vais le traduire des fois. Parce que des fois, je dis des mots anglais. Comme ça. Comme ça. Puis là, ça va faire une crafting table. Qui est une table de travail. Là, vous la prenez. Je sais la double qui part de bombe. Genre là. Là, vous faites clic de droite dessus. Là, comme je dis tantôt, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrés. Ça, c'est le maximum qu'on va avoir dans Minecraft. Là. Tu vas jamais voir quelque chose qui va avoir 12 carrés. Pour ce site, mais ça, tu peux rien faire là-dedans. Fait que là, tu pognes ça ici. Attends, comme ça. Pour faire un tools, qui est un objet, mais... Bon, en tout cas, un objet, on va dire. Je me souviens plus du mot français. L'anglicisme, c'est trop dans mon système. Là, on fait la forme de l'objet qu'on veut. Puis là, comme ça, c'est une forme de pioche. Puis ça me fait une pioche en bois. Là, je rappelle qu'il y a plusieurs matériaux dans Minecraft pour faire, mettons, on peut faire des pioches de fer. Ah, non, c'est pas, j'ai pas dit. On peut faire une pioche de fer, une pioche en iron, une pioche de diamant. Puis ça, c'est juste, ouais, c'est juste qu'on peut faire dans Minecraft pour l'instant. Ah, une pioche de roche, je vous dis. J'ai dit. Ouais, je pense que j'ai dit. Fait que là, je vais prendre la pioche. Parce que si vous le faites avec vos mains, juste comme ça, là, c'est juste bien long. Puis quand il pète, ben, ça vous donne pas le petit cube. Vous allez voir, je vais le faire. Je peux être dingue, ça. Et voilà, ça m'a rien donné. Juste comme, what the fuck. Là, je prends ma pioche. Oh, la plus vite, et ça me donne un petit cube. Et vous, là, comme vous avez sûrement pu le remarquer, c'est pas le même cube. Ceux-là, si vous mettez votre dessus, si vous savez pas c'est quoi, vous mettez votre souris dessus. Pas votre doigt, votre souris. Là, ça vous marque cobblestone. Fait que ça, c'est du cobblestone. Crafting table, puis tout ça. Puis là, je vais prendre un petit peu de cobblestone. C'est comme ça. Là, on va aller chercher du gold. La chance en commençant you. Ah, il est là. Haha, found you. Ça c'est du gold, ça c'est du charbon en français. Ça c'est des minéraux. Là, tous les minéraux vont être comme ça, genre un bloc là, deux blocs là. Mais aussi pas être de la même couleur. Comme le diamant c'est bleu, le héron c'est une espèce de jaune orangé. Vous allez les voir dans mes futurs let's play parce que je vais en faire plusieurs. T'sais, Minecraft ça s'explique pas en un épisode. Ça, je vais spawner ça de même. Puis là, vous avez le choix. Tu sais, pour survivre, vous pouvez faire vos maisons comme le monde font après la pause du temps, après un nuit, dans un rocher de même. Je pense que c'est ça que je vais faire. J'ai ça faire ça, mais je vais le faire pareil. Si vous avez vu mon let's play, là, vous allez dire, ouais, mais dans ton duo let's play, c'est ce que tu fais dans un rocher. Ouais, mais moi, j'aime pas ça pareil. C'est les Lozon 454 qui a eu cette idée-là, mais c'est pas grave. Fait que, normalement, je vais le faire en bois, genre sur une terre plate, mais là, j'en trouve pas de terre plate. En tête là-bas. Parce que je vais faire là-dedans. Ça a l'air juste être des montagnes puis des petites bosses. Fait que je vais la faire là-dedans pour la première nuit. Là. Pour ça, vous allez voir, je vais changer de place. Là. Je vais faire une vraie maison. Ah, il y a déjà eu comment ça fait un autre. Peut-être que vous l'avez pas vu, mais moi. Ok, là, on va mettre ça là. On va faire toc-toc, le même principe à l'eau. On fait une pioche en roche. Comme ça. Là, je vais juste sortir dehors. Vous allez prendre ça, qui est du coke. Ça fait un petit morceau de charbon. Comme ça, il y en a beaucoup. Ah, il y a une, non, il y en a trop, je rappelle. Mais il n'y en a pas trop, il y en a pas tant que ça. Il y en a quand même. C'est quand même bon, c'est quand tu commences d'avoir beaucoup de charbon. C'est la même chose que ça, du charbon, quand que tu le fais pour faire une torche, je vais vous le dire tantôt dans mon. Plus, ben, plus loin. Pour faire une torche, comment faire une torche? C'est la même chose, quand tu fais une torche, ça va t'en donner 16. Mais non, c'est en stack de 4 que ça te donne. Fait
que quand vous en avez 16, vous pouvez partir. Moi, j'en ai des 20. Là, la nuit, il y a des monstres. Il y a 4 types de monstres sur la Terre. Parce que en dessous de la Terre, puis le Nether dans un monde parallèle comme l'enfer, ben, c'est pas les types de monstres, les mêmes types de monstres. Là, je sais qu'à celui-là, on va mal. Fait que je vais faire des torches tout de suite. Je me suis dit dans mon dual commentary avec l'oson que c'était trop mort. Fait que je fais des torches. Et voilà, torche. 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 J'ai de la lumière soit. Et de la lumière fume. Parce que je l'ai dit. Ah. Là, on va garder ça, tu sais, parce que c'est pas vraiment spacieux. Tu sais, c'est comme pas le fun de vivre dans un environnement petit. Tu sais, juste dans la rue, c'est comme, oh yes, j'ai ma maison, c'est parfait. Non, c'est pas parfait. Mais tu sais, c'est quand même bon pour commencer, là, mais c'est pas parfait. Là, je vais monter ça parce que moi, ça me gosse. Là, je frappe ma tête au plafond. J'ai plus de cheveux à la fin. Puis là, on va s'agrandir ça devant. Ça se peut que l'épisode 1 dure, tu sais, en partie. Sinon, je vais juste, la faire plus longue. Parce que là, j'ai oublié de mettre mon chronomètre. Fait que je vais l'arrêter quand je veux. Quand que je vais penser que c'est facilement. Déjà là, je pense que ça fait au moins 8 minutes que je filme. Je vais arrêter vers 10 minutes. Ok, on veut s'agrandir ça un petit peu. Ah, j'ai déjà fini ça. C'est bon. Comme ça, là, je vous dis tantôt, mais... Je vais vous leur dire là, les matériaux qu'il y a. Mais ça, c'est un autre matériau aussi que... je sais pas, j'en ai bien, je pense. Ah oh, oui, c'est vrai. Un nouveau matériau qui s'est ajouté, j'ai oublié de le dire. Et les autres matériaux comme un peu... Ah, il y a du coal. Coal. Les autres matériaux un peu rejet, là, comme le lapis lazuli, qui est une pierre bleue. La roche est comme ça, mais c'est tout bleu. C'est bleu foncé. Évidemment, c'est bleu pâle. Puis il y a le redstone aussi. Que ça, je sais pas c'est quoi en français. C'est genre... Il y a la pierre rouge, c'est red stone, c'est comme la pierre rouge, mais c'est pas ça. En tout cas. Fait il y a du red stone aussi que vous pouvez faire des circuits électriques, là, je vais pas vous montrer ça tout de suite en ce moment. Ça c'est genre les vidéos à aller voir par une personne, que je me souviens plus de son nom. Je vais mettre le lien de son vidéo dans la description, vous irez voir ça. Ça c'est vraiment les vidéos à aller voir si vous voulez comprendre les systèmes de red stone. Parce que moi, déjà là, moi j'ai compris. J'ai compris un peu, mais pas beaucoup. Oh! C'est quoi ça? Ah, c'est mon... Non, dehors. On va l'agrandir. Là, je suis en train de m'installer. C'est pas le genre de choses à faire. C'est genre trop l'agrandir comme que je fais. Mais bonsoir. Je conseille pas de faire une première maison comme moi, si grosse, mais ça, c'est parce que ça donne une mal. Hey, il y a l'autre code. En même temps, je trouve du code, c'est effectivement. Si vous voulez des matériaux, ben, il va falloir rentrer dans des mines, puis creuser comme que je fais. Au début de Minecraft, la plupart du temps, c'est creuser ou construire. C'est comme, tu passes des blocs, pas ce que tu veux. Fait que tu peux construire n'importe quoi. Votre maison, là, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez faire l'Empire State Building, si ça vous tente, là, mais ça peut être n'importe quoi. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Bon. Sauf un char, puis un avion. Mais il y a des bateaux quand même. C'est quand même moderne. Il y a des portes aussi. Bon, mais ça, j'ai arrêté la vidéo là, parce que je vais passer la nuit, parce que puis je vais en revenir, parce que je sens que miner c'est pas trop intéressant. Je sais que c'est plus le fun explorer puis voir de l'action. Je vais juste montrer avant de quitter comment faire tous les matériaux. Ah ben j'ai petit tic. Moi je pense. L'intelligence que j'ai pareil. Bon. Ça ici, ça fait une pelle. Je vais en faire. Une pelle. Ça comme ça. Ça fait une hache. Ça comme ça. Deux. Ah non, je les ai faites, c'est vrai. Faut pas que j'y fasse. L'intelligence que j'ai, comme que j'ai dit, hein. Moi, l'intelligence, j'ai ça dans ça. Ah non, ça, c'est des oubliés, on se calme. Je suis genre plein de commentaires, genre ben non, t'es cave. Là, ok, merci. Si je vais le prendre personnellement. Ben peut-être que non. Bon. Fait que ça c'est tout. Ah non, il y en a un autre. Mais ça sert plus à rien. Ça sert à rien au début là, ça. Mais c'est ça, je vais quand même vous montrer. Je vais quand même la faire. Putain, je suis con. Stone O, qui est une affaire de fermier. De fermier, pas fermier. Stone Sword, qui est une épée en stone. Une hache en stone. Puis une pelle en stone. Là, je vais vous montrer les monstres, mais vous en avez fini d'entendre un. C'est un zombie. Sinon, allez voir dans mon duo let's play, on en entend les zombies au début. Ça fait c'est comme un bruit retour. Je voulais double faire. Mais il y a 4 sortes. Ouais. Sur Terre, il y a 4 sortes.
Il y a des creepers qui explosent. C'est comme... Désolé le langage, mais ils ont une forme de pénis vert. Fait que, il y a les creepers qui explosent quand ça approche. Il y a des squelettes qui ont une arc à flèches, qui vous tirent des flèches, qui approchent juste pas trop des autres. Il y a les zombies qui font juste puis ils vous attaquent. Puis il y a les araignées. Les araignées sont en deux comme ça. Toutes les autres monstres sont toutes la même grandeur que vous, fait qu'ils sautent de 1, d'une case. En mettant ça de même, ben, ils peuvent rentrer, mais là comme si là, les araignées pourraient rentrer. Les araignées grimpent sur les murs, fait qu'elles grimperaient, puis elles rentrent. Mais bon. Fait que c'est ça, c'était mon vidéo. Ben, mon premier épisode du Let's Play en solo. Ah, là-bas il y a un zombie. Let's Play en solo. Fait que c'est ça. Like, comment and subscribe si vous avez bien aimé la vidéo. Puis c'est ça. On se retrouve pour l'épisode 2. Salut!